Dekoma Mogu, avant que je ne commence, je vais d'abord te décrire, tu comprends? Je vais te donner ton identité, hein? Je vais te décortiquer, hein? D, ton D là, tu comprends? Ton D là, c'est dégueulasse, tu comprends? Ton E là, c'est toi E là que je voulais te donner, H, le E de ça, Dekom, le E de ça. Décommer. Donc dans ta tête là, ça ne va vraiment pas. Décommer mon goût. Regarde un peu. Quand tu me regardes bien là, tu peux t'asseoir là, je peux m'asseoir décommer. Tu peux parler où décommer mon goût. De même, tu ne connais même pas d'abord gérer tes enfants. Tu ne parviens pas à gérer ton ex, les allocations familiales. Tu ne parviens pas à gérer une location en Europe. Tu vas te lever, tu parles aussi à Billy Akele. De comment Mogou? Tu vis chez tes parents et tu me parles fort. Tu vis chez ta mère. Chez ta mère, de comment? Et tu me parles fort. Tu gardes un enfant depuis près de 11 mois que tu ne payes pas les allocations. Tu ne donnes même pas la nourriture à l'enfant. Tu n'habilles même pas l'enfant. Tu caches qui tu es. De deux, tu ne travailles même pas. Tu fais une formation qui date de 6 mois. De 6 mois. Écoutez-moi un peu les boys. Écoutez-moi les boys de Dekoma Mogo. Hein? Écoutez ce que sa femme, son ex dit avant que je ne l'appelle ici directement parler. Je vais un peu le téléphone. Je vais écouter. Écoutez un peu les boys de Dekoma Mogo. Votre Dekoma Mogo, le décommer, le fumeur de Banga, qui vous fait croire parfois qu'il est très trop intelligent, qu'il connaît beaucoup. Écoutez, hein? Écoutez bien. Hein? Prenez le temps d'enrichir très bien cette vidéo parce que c'est rien que le début. Partagez ça rapidement. Il dit très rapidement. Écoutez les voix. Écoutez. Ma maison me revient à presque 900 euros. Attends. Ce n'est pas ça ici. Attendez, écoutez. Écoutez. On ne parle pas. Écoutez. Surtout sur Facebook. C'est ça. Je l'ai dit que moi je cause avec la mère de ton fils que tu fais le chantage tous les jours. Il me dit que tu peux causer avec mon fils. Il dit que Dekom, reste tranquille, je connais tout sur toi. Tout ce que tu fais croire aux gens sur Facebook là, ce n'est pas ça. Dekom, tu vis chez ta mère. Écoutez bien. C'est ça. Je l'ai dit que Dekom, tu vis chez ta mère. Et arrête de faire croire aux gens que tu as une maison ou manger tes consorts. Ça fait pas d'un an. Tu vis chez ta mère. Et quand je lui ai dit que je vais prendre ta femme là, je vais bien la garder. Dekom est devenu fou. Je cause avec son ex, la mère de son fils. Mais oui, bah, tombé dingue, parce que là, en fait, tu vois, moi, ce qui m'énerve chez lui, c'est ce qu'il met sur Messenger. Il voudrait d'abord passer par moi, et le petit après, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Il fallait d'abord qu'il vienne, il voit de temps en temps son fils, tout ça, après il me fait, mais bon, moi, je veux pas, hein. Mais il s'est pris d'une façon, non. Et depuis que je l'ai bloqué par rapport à ça, quand il était venu, tu vois, il voulait qu'on aille coucher ensemble et qu'on laisse les enfants au terrain. J'ai pas accepté. Et depuis, plus de nouvelles. Et il m'envoie des conneries, des Jessica, des... Vous avez compris? Ça, c'est juste le début. Donc, depuis beaucoup de mois, Dekoma Mogu ne paye pas les allocations à l'enfant. Depuis beaucoup de mois, Dekoma Mogu ne nourrit pas les enfants. Depuis beaucoup de mois, Dekoma Mogu a même failli violer la femme de son ex. Parce qu'elle a laissé, les enfants au stade. Les trois enfants au stade. Et Dekoma Mogu veut profiter de ça pour dire que non, cette femme ne réfléchit plus bien. Que cette femme, elle perd la raison. Mais il est venu chez la dame parce qu'il voulait la violer. En plus, il veut lui faire le chantage. Écoutez ce que la femme dit. De Monaco, Natacha. Regarde ton chocolat, blablabla. Est-ce qu'il cause avec Natacha? C'est même lui qui m'envoie le mail. Il m'envoie encore une voice là, même sur WhatsApp. Est-ce qu'il cause avec les Natacha? Il ne peut pas causer avec les Natacha. Parce qu'il fait le chantage. C'est quelqu'un qui veut vivre du chantage. Et comme certaines personnes. Veulent insulter peut-être tel. Écoutez bien. Ils n'ont pas la force, ils sont obligés de passer par lui parce que lui est le bouc. Après, je vais l'appeler.
Il est comme le mouton, le mouton du sacrifice. Oui, c'est ça. Et je sais aussi, là, tu vois, est-ce que tu as su l'histoire de Angela? Non. Une femme qui est un peu, voilà, qui danse sur les réseaux. Avant, elle était chanteuse. Et en fait, moi, j'ai compris à force de suivre plein de directs, tout ça, qu'elle a été envoyée par Fleur pour faire croire qu'elle avait une liaison avec Com. Voilà. Donc, laisse-moi tranquille. Écoutez, donc, ce décon à Mougou qui vous fait croire qu'il sort avec tel X ou L, pas dans les inbox des filles pour leur dire que viens faire comme si tu es ma femme pour que je puisse aller avoir les followers derrière moi qui vont dire que non, peut-être que le déconné fumeur de Banga sort déjà avec tel. Et il aura beaucoup de personnes comme il est amoureux des vues, ce petit villageois, ce petit gorille, ce petit singe, ces petites énergumènes qui ne parvient pas à payer une maison, une allocation à un enfant qui est son fils, qui l'a poussé avec son zizi. Aujourd'hui, comment ça fait le chantage à la femme? Il fait le chantage aux enfants. L'enfant demande même parfois seulement à voir son père. Son père est irresponsable. Le matin à 7h, il est sous. À 10h, il est sous. À 11h, il est fou. Écoutez bien sa femme en direct. La voici en direct. Bonsoir Marie. Oui, et absolument, il y a des gens qui vont t'écouter. Ils vont écouter ton témoignage. Là, je te passe en direct. Je veux juste que tu me répondes à quelques questions. Après, tu vas dire ce qui vient de ton cœur concernant Dekoma Mourou. Là, je te passe en direct. Là, voilà. On t'écoute. On t'écoute. Bonsoir. Oui, du coup, voilà, c'est pas mon truc de passer en vidéo, mais voilà, j'ai entendu plein de choses à mon sujet, comme apparemment me traite le meniage, soi-disant meniage, et une preuve que je vais vous montrer sur mon téléphone, par rapport à l'enfant volé, par rapport à je veux avec lui, alors que c'est le contraire. Donc, je cherche sur mon téléphone pour vous montrer les preuves. Excusez-moi, je suis timide. Attendez, elle va vous montrer les preuves. Elle va vous montrer toutes les OM qu'elle faisait à Dekoma Mougou. Toutes les transferts d'argent qu'elle montait à Dekoma Mougou. Elle va tout vous montrer, elle va tout vous dire les preuves sur ce mytho de Dekoma Mougou. Écoutez bien. Regardez bien. Voilà des commandes Mougou que vous ne connaissez pas. 7 février. Après. Marie. Après. Marie. Oui. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Est-ce que tu peux parler, oui. Oui, s'il te plaît? On va t'écouter. Oui, du coup, moi, en fait, j'ai eu un enfant avec lui. C'est vrai qu'il m'a dit d'aller à l'hôpital. N'ai pas voulu et comment dire, on a passé du coup le week-end ensemble. À la fin du week-end, avant de partir, il m'a dit qu'il acceptait. Du coup, l'enfant est là. Du coup, j'allais vous montrer sur mon téléphone aussi les messages qu'il m'envoie, comme quoi il voudrait me faire l'amour. Voilà, parce que j'ai cru entendre, enfin, j'ai même entendu que. Je voulais le violer, je sais pas quoi, pour arrêter les conneries. C'est lui qui me relance, alors que je ne veux pas. Il est venu l'été au mois de juillet. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en juillet, avec le fils de son frère Armand, une fille de 20 ans. Ils sont allés jouer au foot, et nous, on était là dans l'appartement, et il me dit, je vais te faire l'amour. Et moi, je ne voulais pas, on est allé rejoindre les enfants. Donc, il faut arrêter. Et moi, je ne cherche pas à le reprendre. C'est moi qui l'ai laissé. Voilà. Je demandais juste, et tout fait pour que, en fait, il envoie un message à son enfant. Bah, voilà, c'est tout. Moi, c'est pour le petit. Il a 14 ans, il n'a même pas eu un message à Noël, rien. Il se montre sur les réseaux avec le fils qu'il a au parce qu'il a laissé le père.
Mais ça veut dire quoi? Après, je reçois des lives parce qu'il m'a bloqué de partout. Mais avant ça, j'ai vu beaucoup de choses. À traiter les femmes, je l'ai clashé au téléphone parce qu'il a menti sur notre relation. On ne s'est pas rencontrés. C'est moi la métisse, hein, et je ne le recherche pas sur les réseaux. Hein. Pas du tout. J'ai tout dans mon téléphone. Alors, je ne sais pas ce qu'il prend, si c'est ce qu'il fume, ce qu'il boit, son entourage, je ne comprends pas. J'ai entendu des choses qu'il a dites sur moi, mais qu'il efface mon numéro. J'ai dit à mon fils, là, aujourd'hui, quand tu auras l'âge, 18 ans, si tu veux, tu iras voir ton père, mais qu'il ne mette plus ses pieds chez moi. Donc là, je vais vous chercher les messages où il veut que moi, je vienne. Mais qui verra son fils après. Est-ce que vous ne trouvez pas normal? Il faut que je couche avec lui pour qu'il voit son enfant? Non, mais oh. Jamais, ça c'est du chantage, ça. C'est du chantage. Je ne suis pas prostituée. Ça c'est du chantage. La vieille, elle a pris le 9 mai, j'ai pris 53 ans. Alors vous calculez, quand l'enfant a pris le 16 avril 14 ans, est-ce qu'une femme de 40 ans, elle peut porter un enfant, oui ou non? Voilà, ça c'est le mensonge. Faut arrêter un peu. Bon, Marie, je vais te poser une question, oui. Une petite question. Oui. Est-ce que le logement où Dekom Amogou se trouve, c'est le chez lui? C'est chez sa mère, j'ai déjà mis mes pieds là-bas. J'ai les preuves sur mon téléphone, il m'a envoyé qu'il attendait un logement pour faire venir ses filles. C'est d'où peut-être le pourquoi qu'il veut se remettre avec moi, parce qu'il n'a pas de logement. Voilà. Est-ce que vous entendez ce que Dekom ne vous dit pas dehors? Écoutez-la bien comment elle dit la vérité. Elle ne ment pas, elle dit la vérité. Elle dit ce qu'elle ressent. J'ai mal ce que j'ai entendu. Et j'ai mal pour mon fils parce que voilà, j'ai des petits soucis avec lui. Parce que le manque du père, j'ai trois autres enfants. Comme il a dit il y a un mois, il voit plus le père des autres enfants que son père. Là, ça fait 11 depuis juillet que je n'ai pas voulu aller dans ma chambre avec lui. Qu'une nouvelle. Alors, il m'envoie, oui, ces conneries, vidéos, j'ai pas pris de Monaco, mais je ne suis pas jalouse. Tout, prenez-le. Moi, qu'il fasse sa vie, même, je l'ai vu avec sa femme sur des vidéos. Mais au contraire, Marie-Louise, garde ton âme. Mais c'est un rigolo, je suis désolée. Ce qu'il a dit sur moi, mais qu'il oublie même mon numéro, qu'il ne vienne même plus ici, parce qu'il va être mal reçu. Il n'a pas même dit, je m'excuse, c'est impardonnable ce que j'ai entendu. Il peut me laver là où il veut, moi je suis propre. D'accord? Moi, au Havre, il m'a emmené dans des endroits, quand il clash l'heure de Lille, dans son entourage, il y a des prostituées. Hein? Qui ferme sa bouche. Il rentre dans les chambres des femmes. Ok. Voilà. Ok. Marie, je te souhaite une bonne soirée. Je t'attends dans le direct. Là, tu peux revenir ici en direct et je vais répondre. Et certaines personnes vont écrire. Si tu vas vouloir répondre aux questions, je vais te rappeler après. Ok. Oui, je réponds. Je ne laisserai pas salir. Hein. Ok. Je suis très propre. Ok. La vieille est propre. Ok. Son âge, je l'ai appris aujourd'hui. À peu près son âge, dans la quarantaine, il m'a fait croire qu'il avait 32 ans. Faut arrêter un peu. Quand vous regardez Dekom Amogou, est-ce que Dekom Amogou peut avoir 32 ans? Voilà comment il allait mentir à la femme d'autrui. Il est allé mentir à la femme d'autrui qu'il a 32 ans. Il est allé faire l'enfant à la femme d'autrui. Aujourd'hui, il n'est pas bien plus à payer les allocations, il n'est pas bien plus à gérer sa responsabilité. C'est un homme responsable de ça. Et écoutez. Il n'a jamais même acheté un pain chez moi. Hein. Quand il dit sur des lives qu'il faut remplir les frigos des femmes. Moi, il m'a jamais rempli mon frigo, un pain, quoi que ce soit. C'est moi qui paye, qui l'habillais, qui payait son quart. Comme dit la vérité, la honte. Ok, Marie, dans le direct, on se prend dans le direct. Là, je vais un peu le mettre mal à l'aise. Ça marche. Maintenant, vous voyez, c'est qui est Dekom Amogou. Vous pouvez passer le temps à parler du n'importe quoi. Dekom, écoute un peu bien. Je vais te lancer le deuxième voice. Hein? Lance un peu le son, s'il te plaît. Je vais t'envoyer le deuxième voice. Prends d'abord une pause. Respire. Parce que je n'ai pas fini. Je vais te massacrer, Dekom. Il dit, je vais te massacrer, Dekom. Après, je vais la rappeler. Dekom Amogou.
Regarde à quel niveau, regarde à quel niveau tu es idiot. Regarde à quel niveau tu es irresponsable. Regarde à quel niveau tu veux violer une femme. Regarde à quel niveau tu fais saboter une femme. Regarde à quel niveau tu méprises la mère de ton fils parce que juste parce qu'elle a refusé que tu la violes. Elle a refusé que tu la violes. Elle refuse de coucher avec toi. Tu n'as même pas de maison. Tu vis chez tes parents, chez ta maman, au Havre. Tu oses ouvrir ta grosse sale gueule dans les réseaux sociaux. Tu bavardes aussi. Un sale chien comme toi. Tu ne peux même pas te laver de comme à mon goût. Regarde ta sale bouche. Regarde ta sale bouche. Tes sales dents. De comme tes sales dents. Tu ne parviens même pas à te brosser les dents de comme. Ta bouche à l'intérieur est pourrie. Ta bouche à l'intérieur est pourrie, elle est gâtée. Elle est gâtée. Donc c'est la femme qui t'habille en belle. C'est la femme qui t'achetait les habits en Europe. C'est la femme qui te donnait à manger. Elle mettait le carburant dans ta voiture. Elle a fait l'argent avec toi. Aujourd'hui, tu ne parviens pas à gérer tes responsabilités de père. Et tu viens te lever. Tu ouvres ta bouche, ta sale gueule sur Facebook. Un irresponsable, un gigolo. Un gigolo. Tu te balades dans les inbox. Dans les inbox. Dans les inbox. Un porteur de caleçon rose. D'accord? On m'a dit aussi que tu es bipolaire. On m'a dit que tu es bipolaire. Donc, tu prends les hommes, tu prends les femmes. Mm-hmm. Tu prends les hommes, tu prends les femmes. Et apparemment, il paraît que tu... Voilà pourquoi tu aimes faire comme ça. La cocaïne. Oui, de comme tu fais là, tu prends la cocaïne. Et vraiment, quand on voit les sales gens comme des comme Amogo qui passent le temps à faire les vidéos dans les cuisines, on se posait les questions. Pourquoi tu fais beaucoup les vidéos à la cuisine comme ça là? Je vois. Parce que tu ne peux pas aller gêner ta mère au salon. Quand ta mère est assise en train de voir sa CIA TV, tu ne peux pas la gêner. Sinon, tu vas sortir. Tu vas aller dans où? Depuis que tu cours derrière la femme, c'est parce que tu vas aller dormir chez la femme. Et la femme refuse. La femme refuse. Elle refuse de céder à ton chantage. Et tu as voulu mener ce même chantage avec les Victoria Bagues. Elles ont refusé. Avec les Pamela Anglade, elles ont refusé. Avec les lignes de Fleur de Lille, elles ont refusé. Parce que tu n'es pas présentable. Tu es sale. Décomme. Tu es très sale. Tu n'es pas présentable. On ne peut pas t'accompagner comme ça. Que voici mon mari, une femme. Normal, ne peut pas. Parce que constamment, tu es sous. Tu es comme ça. Les yeux sont rouges. La tête est déjà percée dedans. Tu es fini moralement, mentalement, physiquement, même spirituellement. Tu n'es plus. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Tu n'existes pas. Aujourd'hui, tu es obligé de partir insulter la femme d'autrui. De partir menacer la femme d'autrui. De partir dire des mauvais chantages sur elle. Des faussetés sur elle. Juste parce qu'elle a refusé de succomber à ton chantage. À ton chantage. D'accord? Donc quand toi tu me vois là. Hein? Donc quand toi tu me vois là. Je peux taper poteau sur une gars. Est-ce que je peux taper poteau sur une gars? Quand on dit qu'un homme est élégant, il est élégant même dans sa façon de faire les vidéos. Moi, je ne fais pas les vidéos soit dans la voiture ou soit ou à la cuisine. Hein. Tu comprends? Tu comprends, non, décom? Moi, là, même si comme tu dis que je ne fais rien là, mais je prends quand même soin de mes enfants. Au moins, je peux les appeler sur WhatsApp en cause. Ça va, mon fils, ça va. Oui, tu pars bien à l'école. Oui, tu as fait les devoirs. Oui, tu as eu quelle note l'année pendant le trimestre. Oui, papa, j'ai eu ça. Oui, bref, fini. Mais toi, donc, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu passes autant à mentir aux gens. À faire croire aux gens ce que tu n'es pas. À dire aux gens ce que tu n'es pas. À dire que tu as ce que tu n'as pas. Décomme. Même la voiture que tu as là, ça ne t'appartient pas. C'est pour ta mère. Parce que ta mère est handicapée. Ta mère a eu un accident cérébral. Décomme. Tu es qui? Tu dis que tu travailles. Tu dis que tu travailles de comme à Mougou. Et pourtant, c'est toi qui fais une formation de 6 mois. De comme, tu m'as dit que tu as dit quoi aux gens? Que je ne fais pas quoi? Hein? Que je ne fais pas quoi? Regarde, écoute un peu. Écoute, hein? Écoute, hein? Regarde bien. Je vais te montrer ma profession. Tu m'as posé la question si j'ai une profession. Tu comprends? De comme, on ne travaille pas dans les plages en hiver. Tu comprends? Comme tu es bête, ta tête n'a rien dedans. Je vais te montrer ma profession. De comme, tu comprends? Je vais te montrer ma profession. Tu comprends, non? Ma profession, elle n'est pas française, elle est américaine.
Et je l'ai eu au Cameroun. Regardez bien ce qui est écrit à l'intérieur là. Petit mongolois, mal baisé, bipolaire comme ça. Là, regarde. Regardez bien. C'est écrit quoi là? C'est écrit quoi ici? Dès comme c'est écrit quoi là? Tu as dit que comme tu as dit que tu es maître nageur, mange la vérité. C'est quoi ici? C'est écrit quoi ici? C'est écrit quoi là? De comme Mougou. C'est écrit quoi là? C'est écrit quoi là? C'est écrit là, maître nageur. Dès comme. Quand moi j'entre dans l'eau là, ce n'est plus la même chose. Tu comprends? Je deviens long poisson. Tu comprends non? Parce que j'ai été formé. On m'a appris à porter les gens dans l'eau, même à 10 mètres de profondeur, même à 300 mètres de profondeur, avec les scaphandres. Les scaphandres, les bouteilles à oxygène et les palmes aux pieds. Le scaphandre, même après les goûter comme le scaphandre, c'est la vie que tu vois que les plongeurs portent là. C'est ça. Les gaz là, que tu vois là, les bouteilles à oxygène là, c'est pour me permettre de respirer en bas. Tu comprends? Ça, c'est ma profession, petit mongol que tu sois, ouais. Tu peux entrer dans une plage où je travaille. Tu peux entrer. Si moi je décide de travailler dans une plage là, tu peux entrer là-bas. Regarde ça. Regarde. Regarde ça. C'est comme quand il y a inondation, c'est nous qui enlevons les gens. Hein, c'est comme ça là. Ça me fait travailler en France comme sapeur-pompier. Petit mongolois. On a reçu une idée pour aller travailler, pour aller souffrir derrière les gros morceaux de fer. Derrière les gros morceaux de fer. Regarde-moi quelqu'un qui ne parlait pas gérer les enfants. Ils vont aussi parler. Il va aussi se lever le matin, il va parler, il va bavarder aussi. Il ne parlait pas, j'ai assumé ses responsabilités. Il va aussi se lever, il va bavarder sur Facebook. Il va aussi parler aux gens sur Facebook. Un petit sale machin comme ça. Un petit sale machin comme toi. Comme les gars, écoute, hein. Marie, que tu vois là, que tu insultes là. Hein? La mère de ton fils là. Que tu négliges là. Que tu as insulté là. Que tu fais les caricatures sur elle là, que tu as méprisé là, dès comme moi Billy Akele, je te le promets, je vais bien la garder, tu comprends? Je vais très bien la garder à ta place, je vais la prendre, je vais la garder, je vais la cajoler, je vais la séduire, je vais lui donner l'amour que tu ne pouvais pas lui donner, parce que tu n'es rien, tu n'as rien dans la tête. Et l'enfant que tu refuses de prendre, d'assumer aujourd'hui, moi si, je vais l'assumer. Tu comprends? Moi, je vais l'assumer. Tu es fâché. Tu es excité. Tu es tout excité. Parce que Billy Akele t'a arraché la femme. Billy Akele t'a arraché la femme. Oui. Billy t'a arraché la femme. Parce que tu es un faiblard. Oui. Tu es un vaurien. Tu es irresponsable. Tu es un rogué. Tu es un drogué comme moi là même. Mais moi, t'as pas là. T'as pas de talent. Ça a dépassé. Dès comme ça a dépassé. Je vais prendre ta ngala, ta femme Marie là. C'est d'abord une femme que je vois qu'elle est très respectueuse. Elle est très respectueuse. Elle est trop bien. C'est déjà des femmes que tu peux évoluer avec elle. Mais comme toi, tu es irresponsable, tu n'as rien dans la tête de comme Amoukou. Tu n'as rien compris de la vie. Il n'a rien compris de la vie. Tu ne parviens pas à garder une femme comme celle-là. Tu ne parviens pas à dire comme tu fais ça comment? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Une belle femme comme Marie. Une belle femme. Il dit, je vois une belle femme. Je cause avec une belle femme depuis. Et elle est bien posée. Elle est bien éduquée. Elle est même trop soumise. Mais si elle n'a pas pu rester, supporter ta saleté, tes bêtises, ton idiotie, ton manque de respect, tes odeurs nauséabondes corporelles. Elle a eu le courage de t'embrasser malgré que tu as les dents pourries dans la bouche. Moi, je te le promets, de comme à mon goût, je vais bien garder Marie. Tu comprends? Je vais bien la cajoler. Je vais bien la garder. Je vais bien lui donner l'affection qu'un homme peut donner à une femme. Parce que tu es un irresponsable. Tu comprends? Tu es un irresponsable. Et la France n'a pas besoin de gens comme toi. Sans te mentir, laisse-moi te le dire, tu n'es pas encore intégré. Parce que si cette femme te porte plainte, tu vas souffrir et tu iras en prison. Oui, tu iras en prison. Parce que j'ai un enfant innocent qui vient au monde
et tu ne parviens pas à gérer cet enfant de comme c'est que tu es un papa, c'est que tu es un mauvais papa, tu es un irresponsable. Et elle a dit qu'elle ne veut plus jamais voir ses pieds chez toi, chez elle. Elle ne veut plus jamais voir tes pieds chez elle et que tu n'appelles plus jamais son enfant. Tu comprends, non? Attendez, je vais d'abord bloquer le marabout qui est ici. Sinon, on ne fait pas le maraboutage. Tu comprends, non? Elle a demandé de ne plus jamais mettre ses pieds chez elle. Continue de faire tes vidéos à la cuisine. Continue de faire tes vidéos à la cuisine. Arthur, je te bloque sans te répondre. Au revoir. Continue de faire tes vidéos à la cuisine. Tu comprends, non? Continue. Parce que le jour où tu vas mettre ton pied au salon, ta mère va te chasser de la maison. Oui, parce que tu deviens nuisible. Tu deviens nuisible. Tu deviens nuisible aux yeux de tes parents. Tu comprends? Tu deviens très nuisible. Un homme comme toi qui ne parvient pas à gérer une petite facture. Une petite facture. Une petite facture. De 70-15 euros. L'allocation familiale, tu ne parviens pas de comme. Mais tu te lèves aussi, tu couvres ta sale gueule. Tu fais le chantage aux femmes. Tu es allé faire le chantage à Victoria Vargas. Quand tu as compris que Billy a quitté avec Victoria Vargas, tu as couru, tu es allé faire le chantage. Tu voulais sortir à Victoria. Elle t'a dit que même si Billy est comment, c'est un garçon spécial. Oui. Et toutes les filles que j'ai laissées vont toujours te dire de comme que malgré que le gars là soit ce qu'il est, il est spécial. C'est un homme bien. C'est un homme qui connaît garder la femme. C'est un homme qui connaît prendre soin de la femme. C'est comme ça que je vais prendre soin de Marie. Écoutez le deuxième voice. Écoutez le deuxième voice de Marie. Écoutez. Prenez la peine d'écouter. Laisse-moi tranquille, ben voilà. Il ne veut pas croire, mais c'est parce qu'en fait il n'a pas d'appartement et il pense peut-être qu'il va venir ici. Écoutez bien ce qu'elle dit. Écoutez, écoutez ce qu'elle dit. Écoutez, on lui écoute. Tranquille, ben voilà. Il ne croit pas, il ne veut pas croire, mais c'est parce qu'en fait il n'a pas d'appartement et il pense peut-être qu'il va venir ici comme il faisait où j'étais dans un quartier. Là, je suis dans une résidence. J'étais dans un quartier. Il m'a connu dans un quartier avant et il ne faisait rien. Moi, je sais qu'il te commande, il n'a pas d'appartement. Je sais qu'il n'a pas d'appartement. Il se balade constamment avec son sac dans sa voiture. Il veut faire venir ses deux filles. Il m'en avait même caché une. Il m'a menti surtout quand je suis allée régler des comptes au Havre avec la mère de son de Noah, le métis. Elle m'a raconté des choses. Écoutez, écoutez, écoutez votre décom. Écoutez bien votre décom. Je reprends le direct. Je reprends le voice, continue le voice. Écoutez, des comment mon goût. Les petits morbier comme ça. La cuisine chez son cousin François, j'ai pris ça parce que je voyais un morbier comme ça. Il a arraché des mains. J'ai dit, mais pourquoi c'est à toi ça? Et il va me dire, oui, on a changé la date de naissance pour que je puisse venir jouer au foot. Mais moi, il me disait en rigolant, comment on dit? Les vieilles femmes qui aiment les jeunes, là, je sais pas quoi. Les cougars. Les cougars, oui, la gigolo, quoi. Oui, alors que je pense qu'il a un peu... Dégomme, donc tu es gigolo en passant. Donc tu es gigolo en passant. Donc tu cherches les cougars. Tu marches derrière les cougars. Les cougars qui te barrent, mais tu veux faire le chantage. Oui. Tu es allé draguer Pamela Anglade. Elle t'a barré. Tu as commencé à l'insulter. Tu es parti draguer Victoria Vargas, elle t'a barré. Tu as commencé à l'insulter. Apparemment, tu es très fan des filles brunes. Apparemment, tu es très fan des filles brunes, Décom. Tu es allé draguer Lolo Fondia. Tu es allé draguer Lolo Fondia. Elle t'a refusé. Tu as voulu insulter. Mais tu as vu que là-bas, ce n'est pas ta part. Ce n'est pas ta qualité. Ben, si tu tentes avec elle là, elle va t'amener. Tu es allé draguer les tels. Pour finir, tu es allé draguer encore Papy de Longchamp. Tu allais draguer encore Papy de Longchamp. Parce que de un, tu es bipolaire. Tu as cru que Papy de Longchamp, c'est un PD. Papy de Longchamp, c'est pas un PD, Décom. Papy de Longchamp, c'est pas un homosexuel. Ducamer, tu es parti draguer Ducamer. Il t'a barré. Il t'a dit que lui n'est pas homosexuel. Parce que tu portes les caleçons roses. Dis-moi un peu comment un homme peut porter le caleçon rose. Décom, comment tu peux porter le caleçon rose? Comment? Au 21e siècle, Décom, tu portes le caleçon rose.
Hein? Tu portes le caleçon rose. Maïva, voilà, off de mon direct. Au revoir. Bye bye. Comment tu peux porter le caleçon rose? La personne qui va mal commenter, si je vais l'envoyer directement hors de mon direct. Vous commentez, vous comprenez? La personne qui va mal commenter, si je l'envoie directement hors de mon direct. De comme? Comment un homme peut porter le caleçon rose? Comment ça? Comment un homme comme toi, de 48 ans, à 48 ans d'âge, tu as déjà atteint presque un demi-siècle. Tu fais encore les vidéos chez ta mère. Tu habites encore chez ta mère. Tu dors encore sur les canapés. Parfois, tu dors dans la voiture. Parfois, tu fais les vidéos dans la cuisine. Parfois... Oh, Décom à Mougou. Tu ne parviens pas à manger dans un plat cassable. Tu manges dans les gamelles comme un prisonnier. Tu manges dans les gamelles comme un prisonnier. Tu bois l'eau dans les gamelles comme un prisonnier. Tu oses ouvrir ta sale bouche pleine de dents cassées, dents pourries. Tu parles aussi à Billy Akeli. Tu connais qui je suis, moi? Tu connais qui je suis, moi? Hein, comme est-ce que tu connais qui moi je suis? Mettons un peu le son de notre ancien son de Paul Biala. Je vais te dire à Décom qui je suis. Décom, tu connais qui je suis? Écoute bien le son qui va passer. Après, je vais te dire.